Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a des trucs bio, bonjour! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a des trucs bio ici? Ouh! Je crois qu'on va planter des arbres! Ouh! Des trucs bio! C'est des pommiers! Oh, bah dis donc! Il y en a deux. Ouh. Ben, va aller planter ça. On se voit tout à l'heure. Hein? Moi, je vais aller planter ça tranquille. Et puis, quand j'irai planter, je t'appelle. Et puis, même si j'arrive à faire des images pendant que je suis en train de planter, j'en ferai quelques-unes pour toi. Je te dis. Un gros bisou, je te dis à bientôt. Allez! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un sapin de Noël! Qu'est-ce que c'est que ça? On avait un pêcher qui a chopé la cloque. Parce que moi je comprends pas, là ici en ce moment, il y a la cloque partout. Les lauriers, dans la rue qui passe contrebas, ils ont tous la cloque. Et mon pêcher, il avait chopé la cloque. Et donc on a attaché ces des petits sacs de filet avec dedans des œufs, des coquilles d'œufs. Et voilà. Et donc ça protège de la cloque. Donc depuis, bah, il est en train de... La cloque, elle est partie. Maintenant les feuilles sont très belles. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis la pluie va faire tomber le calcium qu'il y a dans les coquilles d'œufs et ben dans le pot quand il va pleuvoir et tout ça tout autour. Ben, c'est la protection des anciens, hein. C'est le remède des Gaulois. Tu vois, les Gaulois ils nous ont dit ouais tu fais ça, ta-ta-ta. Dans le bled en Afrique aussi ils nous ont dit tu fais ça, c'est protection, c'est la bonne protection. Donc nous on fait ça. Bon, mais je te dis à bientôt et moi je vais m'occuper un peu des fraises, leur donner à boire. Moi, je te dis... Bon, bonjour, bonjour. On est devant les fraises. Il y en a une, elle est rouge, tu la vois pas parce qu'elle est rouge. Tu vois la fraise ici? C'est une fraise. Quand j'enlève ma main, tu vois plus la fraise. L'autre à côté, elle est verte. Et celle-là, elle est rouge. Oh, c'est trop marrant. Bon, ben, on va donner un peu d'eau parce que ici, par exemple, les fraises, elles sont un peu sèches comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Je vais regarder si tu vois. Là, elles sont très, très sèches, les fraises ici. Donc, là, ça va un petit peu. Il y en a, elles sont mortes, elles sont tombées. Tiens, on va la prendre, on va la jeter, celle-là, derrière. Je crois qu'un rat, il est venu et il a croqué. Donc, on arrose avec un, j'ai amené de l'eau. Toc, toc, toc. Ça fait du bien. C'est la terre que j'arrose. Ici, elles sont un petit peu à l'ombre quand même. Hein. Donc, elles sentent bien quand même les fraises ici. Voilà, il n'y a pas de soleil qui tape dessus directement. Donc j'arrose. Voilà. Une seule bouteille d'eau, j'ai réparti. J'ai bien réparti. J'ai encore des fraises en bas ici. Je ne sais pas si tu vois ici. Mais en fait, bref, je mets de l'eau. Même si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Ici, j'en ai encore. Là, tu ne vois rien du tout. Ce n'est pas grave. Là, j'en ai encore. Parce qu'en fait, il faut que je te montre comme ça. Faut que je te montre comme ça. Il y en a là ici. Tu vois ici? Si ça fait la mise au point, je sais pas. Voilà. Donc ça fait un truc, ça fait comme ça. Il y en a ici. Il y en a en bas ici. Dans le petit bac qui est sur le sol. Il y en a là derrière. C'est une grosse bassine comme ça. C'en est des fraises aussi. Voilà. Et puis après, tu as les deux qui sont comme ça, des fraises.
Oh, il y en a des fraises dedans. Donc on arrose partout, ça fait du bien. Et hop! Parce que si la vidéo, tu vois tout le temps la même chose, c'est pas très rigolo. Alors, moi j'arrose, j'arrose, j'arrose. J'arrose, j'arrose. Voilà, de l'eau, de l'eau. Elles veulent de l'eau, elles veulent de l'eau. Elles veulent toujours de l'eau. Ouais, je te fais un gros bisou. On va passer derrière, je vais aller voir parce qu'il y en a du bazar là-bas. Il va falloir que je désherbe un peu là-bas pour aller planter des pommiers. Tu me souhaites? D'accord. Bon, je te fais un gros bisou. Oh, dégo. Qu'est-ce que c'est, dégo? Oh. Bon, on est de retour là avec nos pommiers. Nos deux pommiers qu'il va falloir qu'on plante. Ces deux pommiers là, on va les planter. Regarde ça. J'ai amené des ciseaux. C'est pourquoi les gros ciseaux? C'est beau ces pommiers là. Hein? Bon, parce que tu vois devant, c'est un petit peu le bazar. On dirait qu'on est dans la savane. Et on n'aurait pas tort de dire qu'on est dans la savane. Qu'est-ce que c'est au fond? Oh! Il y en a des choses qui poussent dans des bacs à hauteur. Hein? Et c'est en plastique les bacs. C'est pas très écolo tout ça. En ce moment, on peut pas trop faire autrement. Je suis désolé, on fait comme ça. Bon, ben. Parce qu'on a des attaques de rongeurs, des attaques en règle. Et ils respectent même pas les règles de la guerre. Ils sont bizarres. Mais en tout cas, moi, j'aime pas trop faire des attaques chimiques. Donc, on essaie de faire des trucs pour pas avoir à faire des attaques chimiques. Mais je crois que si les autorités s'en mêlent, il va y avoir des grabuges. Bon, moi j'ai des orties partout ici. Faut que je coupe des orties pour aller planter mes deux pommiers. Mais faut que je fasse attention parce que. Non, mes deux pommiers, pardon. Mais faut que je fasse attention parce que j'ai un poirier qui est quelque part me planter. Et faut pas que je l'agresse et que je lui coupe la tête. Donc faut que je fasse attention là où je pose les pieds, là où je pose les lames, là où j'ai. T'as compris, hein? Bah, je te dis à tout à l'heure et je t'avertis que j'aurais fait ça. Bon, allez, à bientôt. Oh. Ici, on récolte un peu des orties. Parce que, pareil, les orties, c'est très bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on doit couper des orties? On se dit, on va peut-être aussi en manger. Donc, on coupe ça bien, bien, bien. Alors, comme ça, on coupe ça comme ça. Il y en a plein partout, on en profite. Des orties, c'est gratuit. Et hop. Les orties, c'est gratuit. Dans les orties, tu prends que les têtes des orties. C'est très bon pour la santé. Tu fais du potage, tu fais des infusions, tu fais ce que tu veux, tu fais de la confiture. C'est très très bon. Bon, oh, il y en a qui ont des pucerons. On va pas toucher ceux qui ont des pucerons. Hop, on fait ça comme ça. Wow. Enfin bref, tu as vu comment on fait? On récupère des orties. Je vais te montrer. Oh là, j'ai tout pris. Hein. Bon, je vais continuer tout seul. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Je vais essayer de remplir toutes les bassines. Je sais pas si je vais y arriver. Je te dis, je coupe la pomme. Oh là là. Mais dis donc. Ça avance pas très vite. Hein. Là, pour l'instant, je suis à ma deuxième bassine d'ortie. Deuxième grande bassine d'ortie, comme ça. Tu vois, celle-là, je vais la ramener. Et je vais revenir bosser. Ça va pas très vite, hein, moi je te dis. Pas vite du tout, du tout, du tout. Pour prendre toutes les têtes d'ortie, c'est compliqué. Bon, on va continuer à
essayer de travailler comme ça. Là, tu vois bien comment c'est. Il me reste deux petites bassines, je vais remplir les deux petites bassines et après je coupe tout. Bon, je te dis à bientôt. Je te rejoins tout à l'heure, je te montre le reste. Avec ça, je sais pas ce qu'on va faire. La confiture, je sais pas. La pâte à tartiner. La soupe. En tout cas, on va manger, hein. Ça, c'est sûr, c'est gratuit. Bon, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Surtout quand c'est gratuit. Je vais essayer de couper. Il y a un train qui est arrivé, j'ai cru que j'enregistrais rien du tout. Bon, là je te montre, dernière bassine de petites orties. C'est pas la dernière, il y en a encore une petite là-bas. Il faut la remplir aussi. J'ai utilisé des ciseaux que tu vois ici pour couper les têtes d'orties. Ça me permet de couper plusieurs en même temps. Mes arbres qui sont dans les seaux là, je les ai pas encore plantés. Bon, ben en tout cas... Je récolte, il n'y aura pas besoin d'aller au magasin pour acheter des épinards. Ici, c'est gratuit. C'est des orties, mais c'est nourrissant, c'est plein de protéines. Tu peux même faire des shampoings avec tes orties, tu fais comme tu veux, tu fais plein de choses. Tu fais de la pommade, tu fais comme tu veux. Tu fais des médicaments, tout ça avec tes orties. Ah là 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 là. Je te reprends bientôt, parce que j'ai encore une petite bassine à remplir. Celle-là, là, faut pas la laisser comme ça vide. Donc, la nature a horreur du vide. Et je vais revenir, je vais la remplir. Comme ça, on n'aura plus à manger. On fera des confitures, on fera des soupes d'ortie. On fait plein de choses. Moi, je te fais un gros bisou, je te reprends tout à l'heure. Oh, j'ai changé d'idée. Bonjour, bonjour, encore bonjour. J'ai changé d'idée, j'ai changé de coin. Et ben, mon pommier, je vais le mettre ici, tiens. Parce que ça me plaît, je vais le mettre ici. Il y a un trou de lumière. On va le mettre ici. Comme ça, tranquille. On va le mettre ici. Et si t'es pas content, c'est le même prix. Voilà, je m'en vais creuser un trou. Quand j'aurai creusé mon trou, je reviens pour toi. Ouais, ça me semble un bon endroit. Je vais le mettre ici. Si t'es d'accord, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Si t'es pas d'accord, tu le dis en commentaire. Hein? Tu dis, tiens, tu le mets pas ici, tu le mets plus loin. T'as compris? Je te dis à bientôt. Oh, bonsoir, je suis de retour. Bon, allez, je te montre un peu. On a fait un trou ici, pour le pommier. On est sorti de la terre, donc. Je n'ai fait un trou. On a enlevé de la terre, ça fait un trou. Donc là, il y en a le trou. Tu le vois, il est comme ça. Et on met ça. Hop, ça c'est le pommier. Et là, l'œil du pommier, on ne va pas l'enfoncer dans la terre. Lui, il va être juste au-dessus de la terre, un centimètre au-dessus. Comme ça, il n'attrape pas les maladies. Eh oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'eau. Je vais toujours mettre de l'eau dans un trou. Avec mon petit seau. Hop, 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 hop. Après, quand j'en aurai mis de l'eau, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre de la terre. Et quand j'aurai remis de la terre, je vais remettre encore de l'eau. Voilà. Donc c'est comme ça. Et je vais aller chercher encore un seau d'eau. Quand toute la terre elle sera imprégnée dans le sol, quand tout l'eau elle sera imprégnée dans le sol, on va remettre la terre et après on va chercher encore un autre seau d'eau pour humidifier la terre tout autour de l'arbre. Donc je te laisse te reprendre tout à l'heure. Entre temps, ben, je vais mettre la terre dans le trou en attendant que d'abord je vais attendre que l'eau ça descend. Tu vois, là le niveau il est en train de descendre tout doucement. Quand ce sera vidé, je remets la terre et je vais chercher de l'eau et je te reprends. Je te dis à bientôt. Je te fais un gros bisou. Hé, hey, il y en a du boulot. Ah oui, il me reste encore un peu de la terre noire. De l'eau noire qu'il y avait le... Comment ça s'appelle?
Le pommier était dedans. Je le verse. Ça fait du bon, ça. Niam, niam. Parce que les racines de pommier, elles aiment bien manger des bonnes choses. Allez, bon, je te dis à tout à l'heure. Tu prends soin de toi. Et on se capte tout à l'heure. Tu appuies sur le bouton de YouTube. Si tu veux, tu mets la cloche. Tu fais souscrire. Tu peux souscrire. Et si tu ne veux pas souscrire, tu ne souscris pas. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas des gens qui ne veulent pas souscrire et qui ont souscrit. Mais tu peux souscrire quand même. Et sinon, tu mets un pouce bleu et puis tu mets la cloche. Comme ça, la prochaine fois, tu es averti qu'il y a une nouvelle vidéo qui se met en ligne. Je te dis à bientôt, tout à l'heure. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On remplit le trou, on remplit le trou. On met de la terre dans le trou, on met de la terre dans le trou, on fait des bêtises. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Hop. On fait ça avec les mains. On fait ça avec les mains. Ça avec les mains. Allez, on fait ça avec les mains. Allez, on fait ça avec les mains. Oh. Attends, on se prend pas la tête, hein. On fait ça normal. Faut pas se compliquer la vie. Allez. Hop. On se complique pas la vie. Allez, hop. On va aller chercher de l'eau. On va aller chercher de l'eau. C'est pas, peut-être t'as vu quelque chose, peut-être t'as rien vu, c'est pas grave, je veux gros. Bon, c'est toujours les frères de diaspora, je suis de retour. Et ben là, tu vois, je vais planter le pommier d'Anjou. Le pommier qui fait des super pommes, des pommes pour faire les tatara pommes. Il coûtait cher, le pommier, il coûtait 20 balles, je l'ai acheté 10 balles parce qu'il y avait 50% de réduction. Je te dis pas, je l'ai acheté parce que je ne fais pas la publicité. Je te fais un gros bisou, je te regarde, tu me regardes, pardon, comment je vais mettre de l'eau. De toute façon, ce n'est pas compliqué de mettre de l'eau. Comme c'est un pommier war royal pour faire des bonnes tartes à la pomme. Là, comme je viens de le planter, il a déjà pris un seau d'eau dans le trou et là, il est planté maintenant. Ben, je vais lui mettre deux seaux d'eau parce qu'il est royal là, et qu'il fait très chaud. Je pense qu'il faut que le sol soit bien imbibé pour qu'il puisse prendre bien ses racines dans le sol. Bon, tu regardes, mais bon, c'est pas compliqué de mettre des seaux d'eau dans la terre. Hein. Tu fais tout doucement, tout doucement.
Et un chien passe derrière la caméra. Il est trop rigolo. Il passe tout doucement ici, je ne l'ai pas vu. Mais je t'ai vu. C'est le chien qui vérifie que je travaille bien. C'est le chien caméraman. C'est le chien réalisateur, metteur en scène. Toi, tu l'as pas vu, moi je l'ai vu. Il est passé derrière la caméra pour que tu ne vois pas. Il est trop malin ce chien. Moi, je vais être sûr que mon herbe, il aura à boire hein, et à manger. Hein. C'est l'heure d'aller à la messe. Allez, c'est fini. Comme ça, je suis sûr que mon arbre, il va être intelligent. Allez, hop. Là, je vais avoir un arbre qui est trop intelligent. Bon, je vais raccrocher le téléphone. Je te dis à bientôt, t'es prêt sur toi. Je reviens tout à l'heure pour planter un deuxième pommier. C'est le même pommier, mais c'est un deuxième. C'est pareil, la même chose, mais ailleurs. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis de retour. Voilà, tu vois ça? C'est la même chose. On va encore planter un pommier bio. Bon, alors, il va falloir que je creuse un trou à l'endroit où tu vois le seau ici. Le pommier, il est dans le seau pour le moment. J'enlève le seau, je fais un trou. Et quand j'ai fait un beau trou, après, tu connais déjà l'affaire. Donc moi, j'ai besoin de travailler, je te reprends tout à l'heure quand le trou sera fait. Je te fais un gros bisou, je te dis à tout à l'heure. Oh là 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 là. Là, la terre, elle est sèche. Hein. Enfin, elle est sèche. Elle est pas, c'est pas quand même sec, 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 mais ça manque d'humidité. Encore là, c'est à l'abri. Hein. Comme quoi, le soleil tape vraiment ici. Hein. La terre est... T'as du mal à aller dedans. On va bien faire de vouloir mettre des arbres. Ça va encore bonifier la terre. La terre est pas mauvaise. Hein. Elle est pas mauvaise. Hein. Mais t'avoue, il faut une pelle spéciale. Là. La pelle qui arrache tout. La pelle qui coupe tout. Je crois qu'elle casse même...
une pelle, hein. Peut-être même elle casse les pierres. On dirait une pelle en diamant, je te jure. Bon. C'est vraiment sec par ici. Bon. Je vais ramener un seau d'eau pour humidifier le trou. Parce que tu vois, j'ai fait un bon trou. Tu vois rien? On voit même pas mon trou, tellement c'est sombre ici. Bon, je vais aller chercher de l'eau, mettre de l'eau dans le trou. Je te rejoins. Oh là 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 là, il y a des moustiques ici. Hein. Bon, alors, on a mis de l'eau dans le trou. Mais, maintenant on va mettre l'arbre dedans. Oh, on va regarder si c'est assez profond. Oh, je vais mettre encore un peu de terre. Allez hop. Allez. On met l'arbre. Là, c'est très bien. Alors, on va mettre de l'eau. Là, le terrain a du mal à boire l'eau. Il a beaucoup de mal. L'eau ne pénètre pas dans la terre. Alors que tout à l'heure, on était tranquille. Bon, alors, on fait ça à la main, tranquille. Ah, pitié, je me pique avec des ronces. Allez, on attrape de la terre avec ces petites mains. On attrape de la terre. Allez, on fait ça comme un sauvage. Allez. C'est bien. Là, il a le nœud, il est là. Oh, on va arroser. Allez hop. Tranquille. Ça descend. Il veut de l'eau. Il veut de l'eau. Il est lourd le sec. Il n'y a rien dedans, mais il est lourd pour rien. C'est pas grave. Peut-être c'est l'autocollant de la publicité qui fait que le sachet il est très lourd. L'autocollant de la publicité qui fait que le sachet il est très lourd. C'est lui l'autocollant de la publicité qui fait que le sachet il est très lourd. Bon, d'habitude, je fais pas la publicité, mais non. Je viens de faire la publicité. Allez, hop. On arrose. Cet abrutier, on arrose. Allez, hop. C'est bon. J'en ai fini. Oh, non.
J'en ai fini. J'ai fini ma journée. Allez hop, je peux aller me reposer. J'ai fini ma journée. Bon, faut que je te montre quand même comment il est. Si tu vois pas comment il est, tu vas dire c'est pas vrai, il a pas planté son arbre fruitier, tout ça. Voilà, il est là. Il est là, ici. Tu le vois. Voilà, il bouge. Il bouge. C'est mon arbre, c'est mon arbre. Voilà, c'est un pommier, futur pommier. Il va vivre, oui, il va vivre. Oh, il va vivre très longtemps. Bon, je te dis à bientôt. Hop. Tu vois mon arbre ici? Hop. Comme ça, pour te montrer un peu comment il est. Le pommier. Hein? Voilà, il est bien planté. Attends. Je vais bien te montrer comment il est planté. Tu patientes un instant. J'enlève les seaux. Parce que des fois, on croit qu'on filme quelque chose, mais on ne voit rien du tout. Comment je vais faire pour que tu vois quelque chose. Voilà mon arbre fruitier. Oups. Il faut que je le fasse bouger. Il vient jusque dans la terre. Tu le vois tout en bas là. Et ici, ici. Voilà. Il est planté là. Là, 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 là. On va faire un agrandissement. Voilà. Il a son petit œil ici, il te regarde dans les yeux. Voilà. C'est lui, il est là. C'est lui, il est là. Ta-ra-ta-ta-ra. Pour la photo, tu vas prendre la photo. Il est là, il est là, il est là. Bon, moi je te fais un gros bisou. Hop. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Hein? D'accord? Allez, hein? T'es pas raccroché le téléphone! Ciao! Oh, je suis là, avec mon arbre que j'ai planté. Mais je crois que je vais lui mettre un petit paillage, hein? Parce que ce que j'ai fait là, c'est pas très gentil, hein? Un petit paillage peut-être. Attends, c'est bien cadré ici, là? Non, c'est pas bien cadré. Et ici, c'est bien cadré ici? Ouais. Bon, ben, je vais le mettre un petit paillage, j'arrive. Tu raccroches pas l'appareil, hein? Je suis de retour. Je vais couper quelques trucs. Ah, voilà. On va être au frais. Ça, c'est quand on aime son arbre. On fait les bonnes choses. Un beau petit paillis comme ça, là. Regarde si j'en ai encore, mais je ne crois pas. Hein.
Allez, on en met encore un peu. Parce qu'il y en a partout de la terre sèche. Voilà. Comme ça, une petite atmosphère intéressante pour mon arbre. Bon, maintenant c'est fini. C'est maintenant que j'ai vraiment fini ma journée. Stéphane Brizou, je te dis à bientôt. Présente-toi. Non, mais c'est vrai qu'en termes de paillage, on a vraiment différents styles de paillage là. Hein. Là, ça c'est un paillage pour que j'utilisais pour le pommier que tu vois ici présent. Ce pommier là, c'est carrément, il est encartonné. Hein. Ça c'est beau ça. Bon, là j'ai pas eu à me prendre la tête vraiment. Tu vois, tu pailles avec ce que tu veux. Hein. Tu fais comme tu veux, comme tu le sens et surtout avec ce avec quoi. Non. Ce que tu as à ta disposition, voilà. J'ai du mal à parler le français. C'est compliqué, français. C'est quoi ta langue? On dirait un dialecte. Bon, je te dis à bientôt. Et puis, ben, je te fais un gros bisou. Et...